Bonjour à tous. Sur le fond de ces arabesques vocales, nous vous souhaitons la bienvenue dans la nouvelle planète, celle du football. Qatar 2022, nous y sommes quasiment, et le Cameroun qui passe son dernier tour de chauffe avant le coup d'envoi de l'événement. Qatar-Panama, c'est le match à suivre aujourd'hui en direct d'Abu Dhabi. Bonjour Balduina. Good morning to you, Charlie Marinos Liato. Good morning to viewers for CRTV and CRTV Sports and Entertainment. Today's to the official kickoff of this year's FIFA Football World Cup and 6 days to Cameroon's competition opener against Switzerland. This is Cameroon's veritable litmus test before their tournament opener, playing against Panama in less than an hour. Is going to be an opportunity for coach Vigo Bessong to test his game plan and see how ready Team Cameroon is prior to their first match next week, Thursday. L'affiche sur votre petit écran, préparez-vous parce que le grand show du football mondial commence dans moins de 48 heures maintenant. Et le Cameroun, parmi les 32 nations attendues, les 5 nations africaines engagées pour l'événement. Aujourd'hui, on va voir à quoi pourrait ressembler le 11 type d'Rigo Berson qui vit sa première Coupe du Monde sur un banc de touche. Et avec nous, pour le préparer, ce compte à rebours, nous avons Emmanuel Bancolo, habitué des plateaux sport. Vous êtes également, vous aussi, dans le bain de cette grande fête du foot mondial. Alors que les premières délégations arrivent déjà au Qatar. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à vous, mon cher Marinos, bonjour à vous, Balvin, bonjour à tous ceux qui ont pris de leur temps ce matin encore pour vivre ces moments intenses de football, je voulais dire, de la fête du football. En tout cas, c'est un grand plaisir, nous sommes heureux, nous. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à se dire. D'abord, on commence par ce contenu de l'équipe du Cameroun qu'on attend. Et surtout, l'enjeu de ce match, le Cameroun qui joue contre un pays de l'Amérique centrale, le Cameroun qui est 5 fois champion d'Afrique, une équipe qui a participé une seule fois à la Coupe du Monde, le Panama, et surtout avec des joueurs qui ont un talent certain. Vous en convenez? Oui, et il faut dire quand même que l'un des plus célèbres, c'est quand même Dely Valdés, on se rappelle de lui, de ses arabesques, vous indiquiez le mot tout à l'heure, du côté du PSG, un gros joueur. Maintenant, le Panama, c'est quand même ce pays-là aussi qui fait la jonction entre l'Amérique du Sud. On revient à vous pour en parler. En tout cas, on a 45 minutes pour faire le décompte et tout ça. Baldwin, le temps pour nous de visiter nos magnétos. Indeed, to talk, we have so much to talk about, especially after Cameroon's two last friendlies against Uzbekistan and South Korea, where Cameroon secured 2 defeats. This is their last friendly. They'll be playing against Panama with the head coach of Cameroon's indomitable Lions. You had him on the screens, Vigo Bessong Bahanak. He has been to 4 different final phases of the FIFA World Cup competition as a footballer. This time, it is his first World Cup competition as a coach with the different 26 players retained by Vigo Bessong Bahanak to defend the nation's colors during the upcoming FIFA World Cup competition. Throughout our pre-match analysis, we'll have the opportunity to talk about each of these 26 players. But time for us to revisit our machines to get to this report by Amang Ambassa, who talks about this match, the stakes of this Cameroon versus Panama international friendly, which is the first with the 26 retained players for this World Cup competition. How ready is Team Cameroon and how they're looking forward to to correct the mistakes that will be noticed in the match today so as to be ready before their tournament opener next week against Switzerland? Amang Ambassa tells us more in this report. Vendredi, le staff technique des Lions Indomptables entend procéder aux ultimes réglages avant la compétition. L'entraîneur a 26 éléments et puis il faut savoir comment les disposer sur le terrain. On verra le synopsis du 11 entrant de la première journée de cette phase finale, la Coupe du Monde. Et donc, c'est un match avertisseur, si vous voulez, c'est un match warning pour pouvoir donner déjà le là par rapport à ce que le Cameroun devrait présenter comme visage dans cette Coupe du Monde. Son importance peut être aussi au niveau du résultat, que le résultat soit positif pour que ces enfants soient bien armés mentalement pour affronter la compétition. Dans une saine émulation, Rigobertson pourra rivaliser les joueurs. Question d'obtenir les meilleurs paires de la défense à l'attaque en passant par le milieu de terrain. Il essaie de mettre ses paires en place pour créer cette symbiose dans le jeu et cette complémentarité. Les défenseurs deviennent bons en jouant et donc la paire qui va devoir commencer dans ce match, en principe, ça sera le synopsis qui devrait a priori aborder la première journée de cette phase finale, la Coupe du Monde. Maro Swaibou et Jérôme Gomme, les 2 joueurs locaux sélectionnés, auront également leur mot à dire. Ils n'arrivent pas là au hasard.
ils arrivent en fonction de ce que le manager sélectionneur recherche comme valeur ajoutée, surtout le jeune gomme, qui, à mon avis, a une bonne vitesse maximale aérobie, qu'on appelle dans le jargon la VMA. Il a une bonne capacité de pression, de conversion, parce qu'il percute bien et il peut se reconvertir très rapidement lorsque nous perdons le ballon. Et vous savez que des éléments comme ça sont recherchés pour la haute compétition. C'est une plus-value dans leur carrière. Ils ne savaient pas qu'ils allaient à cette Coupe du Monde. Et là, ils prennent part. Je crois qu'ils sont galvanisés pour donner le meilleur d'eux-mêmes au cas où ils sont interpellés pour prendre part à une rencontre. Cameroun-Panama sera donc le quatrième match amical des Lions Indomptables avant d'affronter la Suisse jeudi prochain. Un match à suivre en clair et en net sur nos antennes tout à l'heure à partir de 11h, heure de Yaoundé, 14h, heure d'Abu Dhabi. Voilà donc que le décor est planté. Une équipe qui a quand même participé à plusieurs compétitions continentales, la Gold Cup notamment. C'est l'occasion de proposer la fiche technique de cette équipe du Panama. On les appelle les Canaleros, un peu, ou alors, voilà, donc la Marée Rouge, 61e au classement FIFA, légèrement mieux que l'équipe que le Cameroun a affrontée dernièrement. C'était l'Ouzbékistan. Pour l'entraîneur d'origine espagnole, Thomas Christiansen, vous permet de visualiser un tout petit peu le type de jeu proposé à cette équipe-là. Première participation mondiale, c'était en 2018 en Russie. L'équipe A a été deux fois finaliste de la Gold Cup. Un profil plutôt tout tracé pour une sélection que le Cameroun affronte. Mais attention, ce n'est pas une équipe aussi facile à aborder. Oui, ce n'est pas une équipe aussi facile à aborder. Tout à l'heure, on essayait de positionner un peu sur le plan géographique le Panama. C'est cette nation-là qui fait la jonction entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et je crois que le choix du Panama, c'est celui d'essayer de se rapprocher un peu, justement, de l'adversaire sud-américain que le Cameroun a dans sa poule, parlant du Brésil. Mais maintenant, je crois qu'il faut que les gens comprennent un peu de quel pays nous parlons. Ça va nous permettre de faire un peu de géoéconomie dans cette émission. Alors, le Panama, c'est 4 382 000 habitants. Un peu comme la taille de doigt, là. Ben voilà, on a la capitale qui s'appelle Panama, qui, elle, est à 1 206 000 habitants. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même costaud sur le plan économique. Le Panama, en termes de taux de croissance de leur PIB, c'est 15,3. Je crois que les économistes qui nous suivent comprennent mieux que nous de quoi il s'agit. Et ils ont un PIB de 63,61 milliards de dollars américains. Donc, de ce côté-là, en termes de monnaie, on a le balboa, qui est la monnaie locale, et on utilise énormément le dollar américain. Ils ont pour langue officielle l'espagnol. Donc, si vous voyez sur votre téléphone un appel et que l'indicatif est 507, c'est que là, vous recevez un appel du Panama. J'ai des jolis coups de géographie. On est dans la Confédération. On est dans la CONCACAF de ce côté-là. Merci. And this is a country, as Charlie was saying a while ago, that has really not won any major competition. They have been to the final phase of a FIFA World Cup competition that was in 2018 in Russia, and the Gold Cup where 11 appearances, they have been runners-up twice in 2005 and 2013. Emmanuel, with their coach, Thomas Christiansen, who is a Spanish, with 23 matches played with this team, 12 victories, 5 draws, 6 defeats conceded, no major competition in view. Their friendly against Cameroon today will simply be that opportunity to prepare for future competition. Oui, tout à fait. Et Eriksen, qui a certains objectifs qui s'est fixé, c'est-à-dire que parlant déjà de la Coupe CONCACAF, mais aussi, il veut bien voir le Panama être présent à la prochaine Coupe du Monde. Donc, il est dans la projection. Il y a quelques jeunes, il y a ceux qui sont sortants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une équipe très joueuse, une équipe qui est essentiellement dans la mobilité et qui aime tenir le ballon. Donc, à partir de ce moment, je crois que c'est un très bon adversaire pour le Cameroun qui aura l'occasion aujourd'hui, dans une espèce de rodage, de voir un peu qui sont ceux qui, dans les prochains 6 jours, pourraient représenter la nation camerounaise. C'est un très bon match. Parce que l'adversaire, il est de qualité, l'adversaire, il sait jouer au ballon et on sait aussi quelle est la qualité du coach panaméen. C'est quelqu'un qui est un peu dans ce qu'on appelle souvent du côté de Barcelone le tiki-taka. Donc, on va essayer de voir, parce qu'ils vont énormément mettre à l'épreuve notre entrejeu, on va, nous Camerounais, essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de voir
comment le Cameroun pourra gérer un peu la chaleur. On a vu ce qui s'est passé entre la Suisse et le Ghana hier. Donc, on va voir quelle est la gestion, justement, de cette canicule-là. Évidemment, quand on parle du Panama, il faut voir des pays comme le Chili, comme le Mexique, à peu près dans le même style de jeu. Ouais. Donc, c'est un vrai sparring partner que les Lions indomptables affrontent tout à l'heure pour mesurer leur potentiel avant cette Coupe du Monde où ils visent gros. Après, on commençait par le président et puis cet effectif de joueurs de talent, Aboubakar, Choupo-Moting, on en parlera encore le temps de cette émission. Pour l'instant, je vous amène découvrir les 26 des Rigauds sur la route du mondial. C'est dans ce reportage de Évariste Eyenga. La sélection nationale de la Coupe du Monde Qatar 2022 est un mélange. Des joueurs d'ici et d'ailleurs, des habitués du mondial et des bleus. Chacun avec son profil et ses états de service. Dans les buts, André Onana, gardien de l'Inter en Italie, transfuse de l'Ajax d'Amsterdam et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions européennes en cours. Devi Epassi Mbota, gardien de but du ABA en Arabie Saoudite. Epassi est médaillé de bronze avec le Cameroun à la CAN 2022. Avant l'Arabie Saoudite, sa carrière a transité en France et en Grèce. Simon Gampendoedmou, à 19 ans, est le Benjamin de la tanière. Le portier de l'Olympique de Marseille est le troisième à ce poste derrière Pao et Veiga. Le Camerounais né à Foumban va découvrir la Coupe du Monde. Nicolas Nkoulou est le doyen des défenseurs. L'Axial Daris FC, à 32 ans, va participer à sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2014. Champion d'Afrique 2017, le joueur signe son retour. Jean-Charles Castelletto est un incontournable de FC Nantes en Ligue 1 française. Le défenseur central de 27 ans a déjà disputé une CAN avec plusieurs titularisations. Christophe Wu n'a que 21 ans, mais sa valeur marchande, 6 millions d'euros, près de 4 milliards de francs CFA, fait de lui l'un des techniciens préférés de l'axe du Stade Rennais en France. Enzo Ebosse de l'Udinese Calcio est arrière latéral gauche. C'est l'une des dernières trouvailles de la tanière, deux sélections déjà avec le Cameroun. Sa position est confondue à celle de Nou Tolo sur le couloir gauche. À 25 ans, Nou a ébloui le Cameroun à la CAN 2022. Il va poursuivre l'aventure. Il évolue aux États-Unis. C'est aussi le cas d'Olivier Mbaïzo de Philadelphia Union. Mbaïzo est arrière latéral droit. Un poste où trône Fay Collins, 30 ans, pour le latéral parti du championnat de Belgique pour Altaï en Arabie Saoudite. Comme milieu de terrain, Frank Zambo Anguissa, milieu de Naples en Italie. À 27 ans, c'est le Lion à la valeur marchande la plus élevée, 38 millions d'euros, près de 25 milliards de francs CFA. Martin Onla est aussi milieu défensif de Hellas Vérone en Italie. Même poste qu'occupe Samuel Umguet du KV Mechelen, Gaël Ondoa de Hanovre 96. Olivier Cham, lui, est plus avancé, milieu offensif et récupérateur à la fois. Joueur de Swansea City en Angleterre. C'est aussi le rôle de Pierre Koundé Malon de l'Olympiakos, milieu central polyvalent. Les attaquants sont plus nombreux, car le Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais est la quatrième valeur marchande la plus élevée chez les Lions, derrière André Onana. Il est positionné à la gauche. Le côté de prédilection de Georges Kevin Koudou, ailier gauche de Besiktas, âgé de 27 ans. Nicolas Moumingamaleu fera le boulot au même poste. Le joueur de Dynamo de Moscou est âgé de 28 ans. Jérôme Gombeleki a nouvellement déposé ses valises à la Colombe du Sud. C'est un ancien joueur d'Apeges et d'Eding Sport, avec un passage éclair aux États-Unis interrompu. Brian Bumou est un ailier droit de 23 ans du club Brentford FC en Angleterre. En deux sélections, le joueur a confirmé son talent et sa valeur marchande de 28 millions d'euros. Christian Bassogok joue en Chine, sous les couleurs de Shanghai Shenhua. C'est le meilleur joueur de la CAN 2017 et champion d'Afrique la même année. Eric Maxime Choupo-Moting, attaquant du Bayern de Munich, vice-capitaine des Lions indomptables. Et Vincent Aboubakar, attaquant d'Al Nasser FC en Arabie Saoudite, c'est le meilleur buteur de la CAN 2022 et capitaine des Lions indomptables. Marou Soyibou est l'un des deux joueurs locaux sélectionnés récemment, attaquant de Coton Sport, Ballon d'Or Camerounais 2022. Jean-Pierre Samé du Young Boys de Berne, en Suisse, est un attaquant. Tous ces joueurs sont dans la tanière, préparant la Coupe du Monde Qatar 2022.
26 players retained by head coach Rigobert Song. Among them, we have two home-based players, Emmanuel Bankolo. It's true, we have well over 100, many of them professionals in different clubs in Europe will have loved to be part of the 26 players retained by Rigobert Song. After watching this report by Evariste Yenga presenting the qualities of the 26 retained players, these are the right men at the right place to defend the nation's colors in Qatar. Honnêtement, à part ce qui fait encore un peu quelques choux gras, honnêtement, c'est ce que le Cameroun a de mieux. C'est ce que le Cameroun a de mieux. On aurait eu le complet, on serait complet avec Ngandou, mais c'est ce que le Cameroun a de mieux. Et aujourd'hui, quand vous faites quand même, quand vous revisitez cette carte-là, vous vous dites quand même qu'on a essayé de refaire un peu notre retard parlant des joueurs évoluant dans des championnats un peu huppés. Parce que quand vous faites le tour, vous vous rendez bien compte qu'on a quand même des garçons qui évoluent en Italie, en Angleterre, on a des garçons qui évoluent en France, en Belgique. Ça, c'est important. C'est important. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une équipe qui soit dans le complexe. On ne peut pas avoir une équipe dont les joueurs soient là dans le vestiaire, à observer les autres. On a quand même l'un des joueurs meilleurs, voilà. l'un des meilleurs buteurs du Bayern. Du Bayern de Munich. Donc, à partir de ce moment, il peut arriver que vous soyez bien préparé, que vous ayez la meilleure équipe, mais que sur un détail, vous vous fassiez battre. Joseph Désiré Job, l'un des mondialistes de 1998, vous le savez, en France, qui nous a confié dans une interview récente, le secret d'un mondial, c'est de gagner le premier match. Oui. Et si on réussit à gagner le premier match contre la Suisse, ce sera bien parti. En attendant, il faut passer par l'équipe du Panama pour s'assurer qu'on est bien dans les jambes, qu'on est bien dans ses jambes, bien dans cet état aussi. C'est un match que le Cameroun entier attend tout à l'heure. À partir de 11h, coup d'envoi de la rencontre et de ceux de nos abonnés qui nous reçoivent depuis Kolofata ou depuis Bengbis, dans tous les quatre coins du Cameroun et même du continent. Vous faites bien de retrouver la CRTV. C'est là que vous suivrez le mondial en clair et en net avec le déploiement de la CRTV en termes d'infrastructures, en termes d'équipement et de personnel. Une grosse délégation se déploiera au Qatar pour vous faire vivre cet événement-là. Et la fête commence aujourd'hui avec ce plateau spécial, évidemment, avec Balvin Samatoubo ce matin. On va parler du Panama. Indeed, the Canalmen, that's the nickname for our team at Panama. We were saying it a while ago. Once they have been to the final phase of a FIFA World Cup competition that was in 2018 in Russia, and their best performance so far, it's the group stage, and they have been to the Gold Cup 13 different times and runners-up twice in 1993 and 2013. Nestor Kamga now permits us to discover Team Panama, the team that will be playing against Cameroon in less than 30 minutes. In this report. De terre et de la Tunisie, les Panaméens se font éliminer sans surprise dès le premier tour avec trois défaites à la phase finale de la Gold Cup, une compétition de football organisée par la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. La sélection nationale du Panama est deux fois finaliste en 2005 et en 2013. And now Rodriguez, Roman Torres again, Rodriguez, deflection and in! Take the lead. Treated almost by their supporters like the goal that's taking them to the final in mid-July in the Luzhniki. Le sélectionneur Thomas Christiansen et ses poulains ont disputé une phase finale de la Copa América en tant qu'invité. Celle de 2016 est sortie au premier tour. Les Panaméens pourront compter sur le jeune attaquant de 25 ans, Ismael Diaz de León, sociétaire d'Universidad Católica en Équateur, un véritable poison des défenses, auteur de 18 buts en 36 matchs disputés cette saison. Roman Torres again, Rodriguez, deflection and in. Panama take the lead. Treated almost by their supporters like the goal that's taking them to the final in mid-July in the Luzhniki. C'est ce Panama-là qui participait à sa première phase finale de Coupe du Monde en 2018 que le Cameroun s'apprête à affronter. Juste avant d'entrer dans le mondial, évidemment, on décèle de ce jeu champagne assez fluide sur les côtés, en jeu direct. Évidemment, quelques individualités qui feront la différence. Le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau qui s'améliore en termes de qualité. On recevra tout à l'heure l'un de nos consultants aussi pour continuer le débrief. Alors vous
vous avez certainement pu regarder ces joueurs qui feront la différence. On parle des 18 convoqués par l'entraîneur Alberto Quintero, finalement l'un des joueurs les plus capés de l'équipe. Oui, c'est le plus capé de l'équipe. Et c'est celui qui porte, il porte l'équipe, il est un peu l'âme de cette équipe. Mais justement, c'est une équipe aussi où vous avez des jeunes qui montent en puissance. On le disait d'entame, c'est une équipe qui joue essentiellement dans la mobilité, c'est une équipe qui aime tenir le ballon, donc il va falloir faire attention. Mais je reviens sur ce que je disais, c'est un très bon sparring partner pour le Cameroun, parce qu'on va voir quelle est la capacité de notre ligne médiane à pouvoir suivre ou alors à aller à la conquête du ballon. Mais aussi, c'est une équipe qui ne va pas mettre en difficulté, mais qui va mettre au travail, comme on le dit trivialement chez nous, notre défense. Ça va nous permettre un peu de voir qui sont ceux qui peuvent faire partie de ce 11 entrant-là dans les 6 prochains jours. Donc, pour moi, on reviendra à la mi-temps de ce match et on comprendra ce dont on parle en ce moment. Justin, for us to welcome one of our guests on the set this morning, a household name in terms of sports reporting in Cameroon. Geoff Ngwa, good morning and welcome. You are welcome, Baldwin, and congratulations to all of you who were appointed. Oh, I was supposed to mention that. Thank you very much. Let's talk about the match, the international friendly Cameroon against Panama in less than 30 minutes. The Canal Man nicknamed, there's a nickname for our team, Panama. This is just a mere friendly for them, given that they will not be in Qatar 2022 after being present in Russia in 2018. They failed to qualify for a second ever World Cup participation. Will you consider it as a major litmus test for the Lions prior to their World Cup? Yes, I often tell those who say a mere friendly match that they are wrong. One, the fundamental element which is used in calculating FIFA rankings are these friendly matches. They are taken into consideration. So there's no match which is not important. You rightly said it. It's going to be a litmus test for the Indomitable Lions. You know, that is going to be the first time the squad is going to have its key players. I think they are going to be testing World Cup strategies proper. You know, the team has played matches without this or that player. This is the first time, like you rightly said, that the Lions are going to undergo their litmus test. It's a very important match. And I just want to add that the opponent is very crucial. Despite the fact that they are not going to the World Cup, there are teams which don't qualify for the World Cup, which are rated more than even most of the teams which are participating in the World Cup. When you look at the situation of Panama, it's Latin America. When you take at it, there's no small team when you want to talk about soccer. Take those small countries like Chile. It's not easy to beat Chile. Panama, Ecuador, Costa Rica, you call the names. Those are very solid sides. And I think it's going to be a good test for Alain. Le Cameroun s'en souvient bien pour son entrée en compétition les deux derniers mondiaux. En 2014, c'était avec le Mexique. Et un peu plus tôt, c'était le Japon. Vous voyez les sparring partners du Cameroun, Corée du Sud, Ouzbékistan, aujourd'hui Panama. C'est une belle palette qui nous permet d'apprécier, de comprendre, d'analyser sur les acquis du passé. Il faudra évidemment s'appuyer sur certains de ces joueurs clés du Panama. Tout à l'heure, on a parlé d'Alberto Quintero, le vétéran de l'équipe à 34 ans et ses 127 sélections. On parle aussi de Hannibal Godoy, 32 ans, qui est lui aujourd'hui à 112 sélections, le joueur de Nashville dans la MLS américaine. Voilà quelques joueurs clés qu'il faudra suivre au cours du match de tout à l'heure. Avant de revenir, parler encore de cette Cameroun, de cette équipe du Cameroun autour de laquelle tout le peuple est mobilisé. On va prendre un écran pub. Indeed, we are going to take over for a commercial break, then we shall be back to continue talking about this match, Cameroon against Panama. In less than 20 minutes, we shall be taking you over to Abu Dhabi to meet our reporters Benin Bouma Ghana and Evariste Yenga for minute-by-minute commentaries. So for the first 45 minutes
for this match, their last international friendly before the World Cup, Shadi, where before traveling over to Abu Dhabi, when the Metropolitans had a farewell ceremony at the Yaoundé Omni Sports Stadium. Évidemment, 10 jours déjà qu'ils sont à Abu Dhabi pour ce dernier stage préparatoire en vue du match contre, en vue de la Coupe du Monde. Évidemment, le Cameroun, avant de partir en communion de cœur avec son public, le capitaine Vincent Ouaka a reçu des mains du directeur du cabinet civil de la République au nom du chef de l'État, le drapeau, le porte-flambeau. Il s'est érigé en porte-flambeau du Cameroun pour cette Coupe du Monde. Un moment de communion au stade Amadou Ahidjo, un stade mythique pour ceux qui connaissent le pays. Un moment de joie, de révénési que nous propose de revivre lui à son tour, Joseph Clément Ngba. L'hymne national est la devise du pays. Le drapeau fait partie des emblèmes les plus représentatifs d'une nation. En dépêchant au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, son représentant personnel, en la personne du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondoyoulou, le président Paul Biya montre son entière dévotion à la République et à ses emblèmes. Accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouelle Kombi, et du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, le ministre directeur du cabinet civil descend sur l'arène remettre le drapeau au capitaine Vincent Aboubakar, qu'il reçoit comme un envoi en mission. Monsieur le capitaine des Lions Indomptables, chers Lions Indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus significatif de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Reçu main fort au Palais de l'Unité par le chef de l'État Paul Biya, les Lions Indomptables sont parmi les meilleurs ciments de l'unité nationale. Symbole de fair play, d'endurance et d'unité dans la diversité, les Lions sont présents au stade Omnisport. Belle communion avec leurs supporters qui leur apportent ainsi leur onction et leur bénédiction. Le match nul contre la Jamaïque prouve que les Lions savent se surpasser. À l'issue de ce match amical, de revoir le représentant personnel du chef de l'État, le ministre et directeur du cabinet civil, Samuel Mvondoyoulou, peut quitter le temple du football de Mfandena dans l'espoir d'une prestation digne de la grande réputation des Lions Indomptables au Qatar. Un vrai moment de communion, une tradition carrément entre les sportifs, les footballeurs camerounais sur la route du Mondial. La dernière scène, c'était il y a 8 ans, 2014. Aujourd'hui, on revient avec cela. On espère que les fruits seront à la mesure des promesses. Vous avez été journaliste sportif pendant plusieurs décennies. Cet acte-là, c'est majeur pour la psychologie des joueurs, j'imagine. Charlie Marinos, people often think that Africans make magic when it comes to competitions. I think that one is divine magic. When they say secret union behind the Indomitable Lions, l'union sacrée in French, that is how it begins. It begins with hearts, it begins with minds, and you know that there's no other symbol which is better than your national colors. And when that, it's a solemn ceremony. And you see, we have won trophies, African Nations Cups and other competitions. You see, when we are in the competition proper, those who take the teams out don't cease to remember what you did. Remember this flag that was handed over to you. So that is a motivating factor. That is one of the magics of the Indomitable Lions. And after they received that flag, they traveled over to Abu Dhabi. They know the responsibilities are bestowed on them, and they will be traveling over to Qatar tomorrow, where they will be playing their tournament opener next week, Thursday, against Switzerland. But before that, during the week, they had a series of training sessions where the boys of coach Rigobert Song Bahana had the opportunity to work on ball control and likewise set pieces with the 26 players retained for the World Cup who took part in the different training sessions. Jemmanuel Esenge, in the following report, now tells us the story of how the Lions Week training sessions in Abu Dhabi have been prior to their international friendly against Panama in less than 20 minutes.
Tout a été ficelé en 7 jours. Programme qui obéit à la planification des microcycles en entraînement qui commence par une régénération musculaire avant d'atteindre la surcompensation ou le pic. Depuis 2 jours, l'équipe est prête à rentrer sur le terrain. Tout à l'heure, au Mohamed Bin Zayed Stadium d'Abu Dhabi. Une dernière phase consacrée à la mise en place tactique avec un effectif complet. Les dernières arrivées ont permis à l'encadrement technique de trouver la meilleure formule de jeu avec une exploitation proportionnelle de chacun liée à son arrivée dans le camp. Mugambe Kelly, je viens de la colonne sportive du Dja Lobo. J'ai 24 ans, je suis milieu couloir, droite et gauche. J'ai appris ma sélection, c'était juste après le match contre la Jamaïque, j'étais dans le bus. Le sélectionneur, M. Egobert, souhaitait de faire un direct. Là, on écoutait en live les noms qui citaient pour ceux qui vont participer à la Coupe du Monde. Bon, j'ai été très ému, j'ai commencé à crier un peu de partout. Moi, c'était un rêve et je n'arrive pas à y croire de participer à une grande Coupe du Monde. Je me l'ai encore plus rêvé de pouvoir faire partie des entrées ou bien d'entrer en cours de match, pouvoir démontrer ce que je sais faire et avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme, prendre tous les coups à fond. La préparation qui arrive à son terme ce jour a démarré il y a une semaine avec un effectif incomplet. Un chiffre qui a amené le staff technique à un travail en salle avec atelier spécifique. Question de réactiver tout le système myologique. Le train supérieur, le train inférieur, l'aérobie, l'anaérobie, le cardio. Les corps ont été sérieusement sollicités au moins pendant 3 jours avant la phase pratique. En somme, 3 grands moments. Le travail physique, les exercices thématiques et le plan de jeu contre le Panama. Le moins que l'on puisse dire est que le Cameroun présentera tout à l'heure une équipe joueuse qui permettra de se faire une idée du dispositif en Coupe du Monde. Pour tous ceux qui nous reçoivent sur nos plateformes digitales et sur les chaînes thématiques de la CRTV, CRTV Sports and Entertainment et sur la chaîne classique, nous sommes déjà dans le bain de la prochaine Coupe du Monde. Le Cameroun qui participe pour la 8e fois avec tous les espoirs, l'honneur, une équipe pleine en forme, tout en santé. Et voilà, qui s'apprête donc pour ce dernier sparring partner, qu'est le Panama dans moins d'un quart d'heure maintenant. En nous recevant également dans le même moment le 11 entrant de Rigobert Song, sur lequel nous relançons un système en 4-3-3 classique pour les Lions, avec Onana dans les buts, une paire défensive avec Koulou et Castelletto, Faye Collins Tolo sur le gauche, sur le côté gauche et à droite dans l'axe. On l'a en milieu axial, Zambo à droite, Thiam à gauche, et puis capitaine Vincent Boubacar, préféré à Choupo-Moting, à droite, Brian Beaumont et Toko et Kambi. Vous, analyste, c'est l'équipe qu'il faut pour rebattre le Panama? Je ne sais pas si c'est l'équipe qu'il faut pour battre le Panama, mais c'est l'équipe qui nous donne une certaine indication déjà un peu sur non seulement le système que va utiliser Rigobert, mais au moins sur le jeu et les hommes qui pourraient être utilisés. Là, on peut se dire qu'on est à 99% près aux 11 entrants qu'on pourrait avoir contre la Suisse. Geoff Ngoye, reading for the starting 11, when you know that Cameroon's attacking machinery with many talented attackers, the absence of a Choupo-Moting means that the attacking machinery is quite competitive. It's a friendly encounter, and I want to believe that at any moment of the game, every player is going to have an opportunity to come in. He preferred to begin with Aboubakar. Obviously, we know it's Aboubakar to whom we handed the flag, so he should start executing that task. And eventually within the match, c'est un choix intelligent, visiblement. Yes. Un choix intelligent. Yes, en tout cas, Aboubakar, qui est le meilleur buteur camerounais encore en activité. That's avec right. 37 buts pour Vincent Aboubakar, 92 sélections, personne ne fait mieux aujourd'hui. He's going to be his third World Cup participation alongside Choupo-Moting after 2010 and 2014. Allez, voilà, donc deux joueurs sur qui le Cameroun devrait pouvoir compter avec une belle harmonie de groupe. Et pour une fois, on est une équipe camerounaise. Pas de problème. Confort absolu, départ, logement. Je crois que la Coupe du Monde est presque prime et haute, tranquille. Tranquille. Prime et haute, tranquille. Ça veut dire que ce soit le gouvernement de la République et la fédération, il y a eu un travail de symbiose intéressant. Et le fait
d'avoir communiqué en interne a été très important. On n'a pas entendu parler, on n'a pas eu de bruit de botte. Il y a eu un travail sobre et c'est ce dont on a besoin. Rêver en grand, c'est ce que dit le président de la fédération. Nous aussi, on rêve en grand, avec beaucoup d'espoir. Cela nous conduit tout à l'heure, Baldwin Droit, vers le stade d'Abu Dhabi pour cette rencontre qu'on espère assez alléchante. Et enfin, on a une équipe du Cameroun. Indeed. Cameroonians are anxious. Cameroonians are eager to watch the Lions play in their last match before the World Cup, where we try to get in touch with a special envoy to Abu Dhabi, Evariste Eyenga. Benin Bouma Ghana, I should say, good afternoon back there in Abu Dhabi. It's good morning here in Cameroon. Tell us, what are the latest updates back there in Abu Dhabi? Thank you very much, Baldwin Tama. Thank you very much, Charlie Merinos. There isn't plenty of time, much time. As you know already, it's about 2 p.m. 2 p.m. in the Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, a 40,000-seater stadium that is hosting this match, Cameroon against Panama. And you can imagine how important this is for Cameroon. Panama were in the 2018 World Cup, but they failed to qualify for the 2022 World Cup. Cameroon were not in the 2018 World Cup, but are now in the 2022 World Cup. So this is everything important for Cameroon, because today it is time for Rigobert Sombahanak to actually put in place his tactical game plan, to try his strategy that he's going to carry into Qatar in the first match come the 24th of this month. So we're about to see already the first 11 is clear with not much difference. We already hear Nicolas Nkulu is already standing by there at the defense post. Evariste Eyenga, we should say that we're not going to see much difference, but we should see a lot of intention when the Indomitable Lions come against Panama in just a few minutes. Ah oui, attendu donc dès les prochaines minutes la rencontre Cameroun-Panama, match amical ici au stade Mohamed Ben Zayed de Abu Dhabi, où le stade Al Jazeera, c'est sa deuxième appellation. Petite déception pour ceux qui attendaient une titularisation d'Eric Maxime Choupo Moting. Il n'est pas dans le 11 départ de Rigobert Sombahanak aujourd'hui. C'est plutôt à la pointe qu'on retrouve le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, Brian Beaumont, Karl Toko et Kambi. Il est bien sûr sur la feuille de match. Eric Maxime Choupo Moting, même s'il ne commence pas au départ. En revanche, le joueur l'un des plus en forme dans son championnat actuellement, Franck Zambo Anguissa, il est bien titulaire au cours de ce match. Le joueur de Naples, Olivier Ntcham, également. Et dans les buts, c'est bien sûr André Onana, le numéro 1 de cette cage des Lions Indomptables. Charles Castelletto, Nicolas Nkulu, titulaire aussi au niveau de l'axe. Karl Toko et Kambi, bien sûr, sera à la gauche côté Cameroun, alors que le Panama aligne en attaque Ismaël Diaz. C'est sans équivoque, hein, c'est le joueur le plus en forme de cette équipe du Panama, celui qui le plus a marqué de buts. Et dans les buts, c'est Orlando Mascherá, le Carabao FC au Venezuela. Voilà à peu près quelques figures attendues au cours de cette rencontre amicale entre le Cameroun et le Panama, l'avant-goût de la Coupe du Monde qui s'ouvre dimanche prochain. Sur ce plateau avec ses premiers échos du stade Mohamed Ben Zayed pour cette rencontre entre le Cameroun et le Panama. On retrouve évidemment nos commentateurs du jour tout à l'heure pour entrer de plein pied dans cette belle affiche. Mais déjà, le décor est planté et on sent que le match va être ainsi relevé. Everything is set back there in Abu Dhabi for the start of for this match in less than 10 minutes. Geoff Ngwa, we continue talking about Cameroon's starting 11 prior to this match against Panama. The defense, the central defense, the pair, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkulu, the right back, Fine Goran Collins, and Nuhu Tolu. Some will say that is the right pair for Cameroon's defense line. Yes, I want to believe that. When we want to take into consideration the players that were taken along, that's about a representation of the defense we're going to see at the World Cup. And probably the central defender could be one person absent, but globally, I think on the left, no Tolo, on the right, Fai, is the central defense which is going to be the problem. I think the coach is going to try options.
Onga and Zambuangisa at midfield. They are going to play the holding midfielder role. But if I were coach Baldwin, I would have sort of allowed one holding midfielder and allowed Zambuangisa to create the way he creates in Naples. We are going to see how it works out. But globally, I want to believe that is the defense which is going to play the World Cup. On le souhaite, un savant mélange d'expérience et de jeunesse, Castelletto pour sa première Coupe du Monde. Nicolas Nkoulou, on a beau lui faire le reproche d'avoir pas été compétitif ces derniers mois, mais il est passé quand même par quelques-uns des plus grands clubs en Europe. De la France, en Angleterre, en passant par l'Italie. Je crois quand même que c'est un bagage qu'il faut capitaliser et ne pas oublier que Rigobert Song, sélectionneur, est un défenseur de métier. Oui, et puis là, quand même, le week-end dernier, il a inscrit un but. Les nouvelles qu'on a, c'est que sur le plan physique, il a retrouvé un peu de sa superbe. Maintenant, on a la chance d'avoir des garçons comme Wo et Ebossé. Ebossé, qui est défenseur central à la base et qui aussi joue en latéral gauche. Donc, pour certains matchs, il y a la possibilité pour Rigobert Song d'avoir Ebossé plein axe. Il y a la possibilité pour Rigobert Song d'avoir Ebossé sur le côté à gauche. On a nous, Tolo, de ce côté-là. Bon, Faye, lui, pour qu'il soit absent, il faudrait qu'il soit à la limite blessé. C'est quelqu'un qui, toutefois, qu'il est là, il a apporté satisfaction. Il y a Mbaïzo qui peut suppléer. Bien, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le principal souci, et Geoff l'indiquait déjà, ce serait de trouver la réelle paix à l'axe et la capacité du coach de pouvoir aller prendre le risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en Coupe du Monde, oui. Est-ce qu'il faut prendre le risque avec un garçon comme Christophe Wo? Est-ce qu'il faut prendre le risque avec un garçon comme Ebossé? Maintenant, c'est à chacun de voir et de voir leur qualité et leur capacité à pouvoir supporter une certaine pression par rapport à la compétition. Peut-être aujourd'hui, on aurait pris ces risques-là, sachant qu'on est en amical et que là, on peut avoir une indication. Mais il faut comprendre aussi Rigobert. Il sait que le Cameroun attend d'être rassuré et conséquemment à cela, il essaye d'aller avec la meilleure de ses équipes. Son équipe pratiquement à 98, voire à 99%. Mais quel que soit le cas, il va arriver un moment où Rigobert va briller des pistes. Il y a des garçons qui vont entrer. Il peut même avoir des modifications en utilisant les mêmes joueurs sur le terrain. Il sait exactement quelle est l'indication. Il sait quel est le thème qu'il a choisi pour ce match-là. Nous, on va simplement le suivre, lui apporter tout notre soutien. Mais d'ici à la 20e minute, nous aussi, nous pourrons savoir un peu quel est le thème et quelle est l'indication, tout en regardant simplement ces garçons jouer. I want to talk very briefly on one of these midfielders, Olivier Ncham. He was quite impressive during Cameroon's last friendlies against Uzbekistan and South Korea, slowly but surely imposing himself in Cameroon's midfield as compared to the usual midfield we knew during the Africa Cup of Nations with Umgwet, Hongla. Here is another newcomer stamping his authority in the midfield. Yeah, that's why I honestly want to agree with you, Baun, that he was one of the discoveries during that competition. We are going to see whether he confirms. The World Cup is a different ball game. There is speed, there is skill. You couple all the ingredients of football. You could play a tournament like the African Cup of Nations. You could play a friendly. But the World Cup is a totally different ball game. And players who generally rise up to the event can consider themselves good players. We're going to see how the midfield functions. On va se rendre certainement au stade Mohamed Ben Zayed d'Abu Dhabi pour la première période de cette rencontre-là. Alors, Evariste Benenbouma, peut-être serez-vous déjà bien installé pour l'entame de cette rencontre. Until very much again, thank you very much, Baldwin Samar, and to you, Charlie Merinos Liatu. Welcome to the Mohamed Al Jazeera Mohamed Bin Zayed Stadium, used for football and cricket. I told you a few minutes ago that it is a 42,000 seater.
you want to say exactly 42,056 seater stadium that is hosting this friendly, Cameroon against Panama, which is very, very important, within every form of importance that you can imagine, because today Cameroon coming into this game are coming with focus, are coming with determination. Cameroon is coming with the kind of science that Rigobert Song and the technical staff must have put in place to come against their opponents at the World Cup. So now will be the time for the pre-test to test what Rigobert is carrying to Qatar. And this is the ultimate moment, Evariste. This is the ultimate moment we are going to be witnessing in the next few minutes. Ah oui, c'est la mise en scène grandeur nature, la dernière pour l'équipe nationale du Cameroun, à l'intention de la presque trentaine de millions de Camerounais. Dans le tunnel déjà, les deux sélections nationales, celle du Cameroun et celle du Panama, pour ce match amical qui débute ici au stade Al Jazeera d'Abu Dhabi. C'est pratiquement 14h déjà. Il est bientôt 11h là-bas au Cameroun et donc la partie va reprendre. C'est sans surprise que les gradins sont quasiment vides. Le match sera joué sur une prescription particulière. C'est le huis clos. Mais le huis clos n'est pas total. On a donné la possibilité à la communauté camerounaise d'Abu Dhabi de pouvoir rentrer dans l'aire de jeu. Ils sont près de 400 à 500 Camerounais qui vivent ici aux Émirats Arabes Unis et même les pays voisins, les Émirats voisins qui sont là aussi. La sortie à l'instant même donc du Panama. Tout d'abord, ce sera tour à tour. C'est une option plutôt que la sortie simultanée des deux équipes à la fois. Et d'abord, ceux qui vont occuper le banc de touche. Vous reconnaissez les couleurs du Cameroun, évidemment. Ce Cameroun qui, pour la toute première fois, va rencontrer donc le Panama. Jamais l'histoire du football n'a permis cela. Et la sortie à l'instant du banc de touche camerounais. Vous avez aperçu Jérôme Gomme en tête. Enzo et Bossin ici. Olivier Mbaïzo, c'est ceux qui sont sur le banc de touche. Espérant rentrer en cours de match. Et évidemment, ce match entre le Cameroun et le Panama. Match qui sera important pour le moral de la sélection nationale du Cameroun en 4 victoires. Ce serait bien de rentrer en compétition face à la Suisse jeudi prochain, match de la première journée de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Ils en ont besoin, les poulains de Rigobert Song, Banak. Ça n'a pas été évident au cours de la avant-dernière fenêtre, le déplacement en Extrême-Orient, le match contre l'Ouzbékistan, une défaite. Le match également contre la Corée du Sud, une autre défaite. Et donc aujourd'hui, il faut bien au Cameroun de pouvoir se relever, peut-être par une victoire dans sa sortie de sa série de stages avant de rentrer dans la compétition. And so, ladies and gentlemen, the plot has changed completely for today. It is not what we faced against Uzbekistan, neither is it what we faced against South Korea or Jamaica. The World Cup fever is on the rise. As a matter of fact, when you see the players about to shoot out of the tunnel, you can feel it in the air. The tension is building in them. Their tummies, I should say, at this moment are filled with butterflies the size of eagles. And today, in this stadium, 40,000-seater stadium, their nerves, of course, will be palpable, unquestionably, of course. And within the supporting forces, like you hear a few of them, gigantic expectations, especially from Cameroon, throughout the world over, like the size of Mount Cameroon. Remember, TikTok, Facebook, and all social media handles. I've been talking about this match and Cameroon's preparations for the World Cup and participation thereof. Of course, it is Andre Onana who is going to keep the poll, and as we are going to get it in the next few minutes, the players are set in the tunnel. It is a green, red, yellow flag for Cameroon, all waiting and all shining, all looking very, very bright, Evariste. It is that moment of patriotism. It is that moment that the spirit of patriotism bombs out of your skin the size of tangerine. Ah oui. Et voici donc la sortie officielle du tunnel des deux sélections, le Cameroun et le Panama. Match amical. Le Panama n'est sans doute n'est pas concerné par la phase finale de la Coupe du Monde. C'est juste un sparring partner pour le Cameroun. On espère de cette équipe pouvoir tenir un jeu quand même
de même coloration que celui du Brésil, le Panama. Voici la toute première confrontation entre les deux nations. La sortie d'une part du Cameroun, vous le voyez à gauche, et à la droite, cette équipe du Panama qui tout à l'heure, lors de son hymne national, va célébrer à nouveau son indépendance. Mais d'abord, c'est le Cameroun qui accueille cette rencontre avec Vincent Aboubakar comme le capitaine. Sans surprise aucune, donc c'est lui qui joue non loin d'ici, de ces Émirats Arabes Unis. National anthem of Panama, the team that is coming against Cameroon today in this ultimate game, ultimate friendly. Here we go with the Indomitable Lions. From sleeves and makes his claws to pull out from its own very, very fingers. At this moment, both teams, they have to shake hands as they should. Remember that in this team today, the one strongman that Cameroonians have been expecting to see, Zambo, Frank Zambo Anguissa, is right there. What this is his 42nd appearance with the team. 5 goals already to his name. Boy from Napoli is coming back after the request from so many. The green, red, yellow has never been important upon his chiseled frame like it is today. And the quattro of referees today look up straight as they have their dual task to call this game and every moment of it. Once again, welcome. Et la clameur que vous entendez en fond, en moment de ces échanges de civilité, bien. Ce sont les Camerounais, la communauté installée aux Émirats Arabes Unis et les pays voisins qui a demandé et obtenu l'entrée exclusive dans ce stade puisque le match se joue à huis clos. On va poser entre le capitaine Vincent Aboubakar et Hannibal Godoy côté Panama. Very quickly, this. It's a moment that most Cameroonians have been waiting for, and as you see it already, this is the lineup for Cameroon. Andre Onana is there. All around Europe, they say that he is one of the best goalkeepers in the continent.
day like this and a tournament like this would have to prove that assertion and that appreciation. Maxime Choupo-Moting is waiting on the bench to come in as substitute. It is the man who received the flag for Cameroon, the Dark Invader, Vincent Aboubakar, who is taking the lead in this game today with Karl Toko Ekambi in front. Mosquera sera dans le but du Panama aujourd'hui avec Ismaël Diaz à la pointe d'attaque. Un milieu à cinq joueurs pratiquement, Cesarianis, Alberto Carrasquilla, Christian Martinez, Hannibal Godoy, le capitaine, et puis Rodriguez à l'extrême droite, alors que la défense, c'est Andrade, c'est Harold Cummings, c'est Fidel Escobar et puis Murillo qui vont contrôler les hommes de Rigobert Sombanac, alors que Thomas Christiansen a fait confiance pratiquement à ceux qui ont été titulaires à la dernière rencontre du Panama. Il y en a sur l'aire de jeu pratiquement 7 qui ont participé à la dernière Coupe du Monde tenue en Russie. C'était d'ailleurs la première et l'unique participation du Panama en Coupe du Monde. La confiance de Thomas Christiansen. Thomas Christiansen from Denmark himself has been a footballer and is taking over business with the Panama national team. Here they go, the Panama national team. We will call them Los Canaleros, the canal men, in reference to the Panama Canal. The game goes over. Panama, of course, they are playing in their usual white shirts.